Paris et j'ai tous ensemble on chantera. Bah ouais, bah là on chante, hein, on chante. Oh, ça vient de se terminer les poteaux, ça vient de se terminer. Pff, truc de malade, franchement, truc de malade. Icardi dans les arrêts de jeu, il restait quoi? Il restait 1 minute à jouer. Icardi met le but vainqueur sur ce choc, ce premier choc de cette journée de Ligue 1. Donc, supportrice, supporter du PSG, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez tout simplement. Compliqué, franchement, franchement. Alors, ouais, pour faire un bon match, il faut deux équipes. Et là, on a eu deux équipes, franchement, on a eu deux bonnes équipes. Alors, attention, faut pas s'emballer, ça n'a pas été un match exceptionnel, hein. Ça a été moyen, ça a été un bon match par moments. Ça a été un bon match. C'est pas un match exceptionnel, mais ça a été un bon match quand même. Après, la compo que j'ai dit au début, ça a complètement foiré, hein. C'était vraiment pas ça. Ils ont changé, hein. Bah après, ils changent, hein. La compo, je l'ai donné facilement 2 heures, 2, 3 heures avant, et ils ont changé la compo. Donc Donnarumma, hein, était titulaire. Il a pris son premier but, ouais, avec le PSG. Bah après, il pouvait rien faire, hein. Franchement, il pouvait vraiment rien faire sur le but. Ouverture du score des Lyonnais. Voilà, il n'y avait rien à dire. Franchement, domination. Et Lyon a très très bien joué. Voilà, quand on dit il faut faire, quand c'est un bon match, il faut qu'il y ait deux équipes. Un bon match, deux équipes. Et là, les Lyonnais méritaient tout simplement l'ouverture du score avec un Paqueta. Paqueta, franchement, il est bon. Hein. Paqueta, Cacré. Mais Paqueta, franchement, il faut savoir une chose, c'est que Paqueta était dans la liste, hein, du PSG. Il aurait pu venir au Paris Saint-Germain. Mais voilà. Il fait le bonheur de Lyon. Donc il y a eu un superbe Paqueta, aussi un Boateng, hein, Boateng franchement, qui est vraiment pas mal. Et aussi un Shaqiri, hein, Shaqiri qui est vraiment bon avec la Suisse. Et là, qui fait le bonheur de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, Lyon, ils ont une sacrée équipe quand même. Hein, c'est pas, ils ont une très très belle équipe, Lyon. Donc voilà, donc pour faire un bon match, il faut deux équipes. Et là, ce soir, on a vu vraiment deux équipes sur le terrain. Alors, superbe ambiance, hein, au parc, franchement, très très belle ambiance. Après, les joueurs du PSG, c'est vrai que Idrissa Gueye a bafouillé au début. Hein, il a perdu quelques ballons complètement bêtement, tout simplement. Après, Neymar, il commence à revenir. Là, franchement, il a vraiment fait un bon match. Ça n'a pas été toujours propre parce que bon, voilà, il tripote le ballon, tout. Mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un très très bon match quand même. Il a obtenu le pénalty, hein, donc il y avait pénalty. Après, tout le monde s'est, on s'est dit, hein, on s'est dit, qui va tirer le pénalty? Qui c'est qui va tirer le pénalty? Eh bien, c'est Neymar qui a tiré le pénalty. En sachant que Prime Video s'est mis comme ça, hein, comme par hasard, hop, ça a refonctionné. Donc, on a pu regarder le match à la maison, tranquillement, en famille. Mais c'est vrai que voilà, Neymar égalisé sur penalty. Avant ça, il y a encore une fois Messi, hein, Messi qui a fait son match, qui a été remplacé aussi. Alors je pense qu'il a été surpris d'être remplacé. Mais bon, il faut le préserver. Hein, il y a encore un match mercredi, pas loin en plus, hein, à Metz, pas loin de chez nous. Et Messi, encore une fois, eh bien, a mis l'arrêt, hein, tout simplement. A mis l'arrêt. Donc ça fait deux matchs, deux arrêts, tout simplement. Voilà, hein, ça aurait pu être un coup franc vraiment magnifique pour son premier but au parc, mais bon, voilà, il a tapé l'arête. Donc ça viendra, faut pas s'inquiéter là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Marquinhos, Kimpembe, plutôt bon, hein, même si moi j'ai trouvé Chaperon, bah, pas top. Pas top top parce que bon, il y a des cartons où il aurait pu s'abstenir de donner les cartons, surtout un à Di Maria. Alors, Di Maria, oui, il y avait faute de Di Maria, ouais, d'accord. Mais après, voilà, après, sur d'autres situations, sur les fautes et puis les anti-jeux contre Neymar, eh bien, le Lyonnais, voilà, il n'a pas pris de carton, hein, et c'est Marquinhos en gueulant qui a pris son carton jaune. Donc voilà, donc on sait que cet abruti de Turpin, il aime pas le PSG, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ça aurait été dans le sens contraire, j'aurais peut-être pas eu carton, hein, mais bon, voilà. L'essentiel c'est que
On a eu la victoire. Alors, certes, hein, j'avais dit au début, hein, sur l'autre vidéo, la manière était plutôt là. Hein, la manière était vraiment là. Certes, ça n'a pas été un match flamboyant, mais on s'est battu. On a été dominé dans le jeu, faut bien le reconnaître, hein, par une très très bonne équipe lyonnaise. On a été dominé dans le jeu, faut bien le reconnaître. Mais après, voilà, on s'est battu. On a, comme des guerriers, comme des chiffonniers. Et puis ensuite, les premiers changements. Donc il y a Mendes aussi qui a fait un match plutôt intéressant. Di Maria, il revenait. Donc Di Maria, ouais, il a fait quelques bons trucs aussi, hein, Di Maria, hein, sur le côté droit. Franchement, c'était vraiment pas mal. Après, Herrera aussi. Hein, Herrera, franchement, c'est vraiment l'homme du début de saison du PSG. Franchement, il n'y a pas à se mentir. C'est vraiment l'homme du début du PSG pour Ander Herrera. Donc voilà, dans l'ensemble, tout le monde a été bon, hein, même Kerrer, Mbappé, on l'a vu, mais pas tellement que ça. Il a eu quelques déboulés, mais voilà, ça n'a pas été, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été un bon match du PSG. Comme je disais, il faut deux équipes pour faire un bon match. Là, on a eu deux équipes. Certes, ça n'a pas été un match flamboyant, mais on a eu un bon match quand même. Et le PSG, à la fin, j'ai gueulé, hein, sur le live. J'ai dit, attends, c'est quand qui fait rentrer le troisième remplaçant? Et Icardi est rentré, il a touché trois ballons et il l'a mis dedans. Donc là, donc c'est super, super pour le PSG. Donc ça fait 6 matchs, 6 victoires pour le PSG, carton plein. On garde la tête, tranquillement, sûrement, peinard, tranquille. Et puis, le prochain match, c'est à Metz, hein. Le prochain match, c'est à Metz, dès mercredi. Donc Metz PSG, donc c'est pour ça que Pochettino a sorti Messi, qui ne s'y attendait pas. Hein. Je pense qu'il ne s'y attendait pas. Mais bon, je pense que Messi, il est professionnel. Il sait que il a un âge, donc il faut le préserver. Donc il y a encore un match mercredi. Donc il faut pas faire de bêtises. Et c'est une bonne gestion de Pochettino d'avoir sorti Messi, tout simplement. Donc voilà. Encore une fois, hein, superbe ambiance, hein, superbe ambiance au Parc des Princes. Côté Auteuil, hein, parce que côté Boulogne, il n'y a rien. Malheureusement, voilà, hein, malheureusement, hein, on n'a pas le droit d'y aller. Autrement, voilà, on peut y aller. Là, logiquement, j'y retourne dans 2 semaines. Mais on n'a pas le droit de faire de tifo, tous les machins comme ça. Donc voilà. Donc, je me suis renseigné un peu avec des potes. Et voilà, apparemment, on n'a pas le droit. Donc, ils ne veulent pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, mais superbe ambiance à Auteuil avec les fumigènes, tous les machins, comme d'habitude, hein, à la fin des matchs, le fin du match, hop, ça a été applaudir, ça a chanté, ça a rigolé, ça s'est amusé, ça s'est poussé devant le COP Auteuil. Donc voilà, donc un Parc des Princes en fusion à la fin. Donc c'était vraiment, vraiment super sympa. Donc voilà, donc on a eu vraiment ce choc, hein, ce premier choc de Ligue 1 entre le PSG et Lyon. Voilà, le PSG s'est fait peur, ouais, s'est fait peur, hein, sur certains moments, ouais, s'est fait peur, parce que bon, il y avait une sacrée équipe lyonnaise, surtout Paqueta, qui est vraiment, vraiment très, très bon. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait, on a été chercher la victoire à l'arraché, dans les arrêts de jeu, 2-1. Et puis, il y a le stratège qui prépare aussi sa vidéo. Donc voilà, on a été chercher la victoire dans les arrêts de jeu. La tête de Icardi, tout simplement. Alors je l'ai critiqué, hein, je vais vous rappeler, hein, que je l'ai critiqué en disant, ouais, il a eu 5 occasions, 5 hors-jeu. J'ai dit que, ouais, il fallait peut-être mettre Wanda à poil avec son joli cul devant les buts pour qu'elle marque des buts. Bah, peut-être qu'il m'a écouté, peut-être qu'il s'est dit, ouais, il va falloir que je me bouge le cul et puis que je fasse le nécessaire pour marquer. Et là, bah, il a marqué et il donne la victoire au PSG. Il a touché 3 ballons, Icardi. Hein. Donc voilà, donc c'est super cool. Donc c'est vraiment une petite vidéo tranquille, c'est pas la peine de la faire plus longtemps. Hein. Voilà, hein, on a tout dit tout simplement. Donc voilà, donc je compte sur vous, supporters, supportrices du PSG. Mettez un pouce, mettez un commentaire, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et puis faites-la tourner un peu partout pour qu'on puisse avoir les 1000 abonnés. Logiquement, les 1000 abonnés, on aurait dû. L'objectif, c'était d'avoir les 1000 abonnés pour le début de Farming Simulator. Donc il reste 2 mois. Il faut qu'on fasse 600 abonnés en 2 mois. Voilà, 300 abonnés par mois.
C'est faisable, hein, attention, c'est faisable, hein, c'est peut-être faisable hein, d'avoir 600 abonnés en 2 mois. Mais bon, on verra bien un peu comment ça va se passer. Voilà, on avait tout le projet, c'était d'avoir les 1000 abonnés pour Farming Simulator le début, pour qu'on puisse faire nos lives. Et on verra bien un peu si on y arrive. Puis si on n'y arrive pas, eh bien, on continuera hein, à faire ce que je continuerai à faire ce que je fais. Et puis les personnes qui sont cool et puis qui m'aiment bien. Qui aiment bien le travail que je fais, bah, ils s'abonneront à la chaîne YouTube. Entre parenthèses, je répète aussi que les personnes qui voudront essayer de bloquer, de bloquer la chaîne, si la chaîne est bloquée, dans les heures qui viennent, je saurai qui c'est qui a bloqué et je peux vous garantir que je débarque chez vous, mais pas tout seul. Avant que vous soyez adulte ou gosse, si vous êtes des gosses, c'est les parents qui vont prendre. De toute façon, il y aura des plaintes qui seront départies parce qu'on est à peu près une trentaine et c'est tout. Les teams que j'ai PC, je vous le dis cash, c'est toutes les mecs, les personnes PC, les 30 personnes qui bossent avec moi sur PC, il y aura des plaintes, tout le monde va mettre une plainte sur la personne qui bloquera la chaîne. Alors faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, ne faites pas ça, c'est un conseil d'ami, parce que là, ça va pas rigoler, et je peux vous garantir que dans les jours qui viennent, on sera à son domicile, il y aura même mon cousin qui est gendarme, il sera même avec nous, c'est lui aussi, il joue à Farming, donc je préviens. Tout simplement, c'est pas une menace, je préviens. Voilà, on a nos 1000 abonnés, vous nous le laissez tranquille travailler. Vous aimez pas ce qu'on fait, vous mettez des pouces, y a pas de problème. Y a pas de problème. Mais si vous voulez jouer au malin, faites gaffe, ça risque de faire mal. Je préviens, attention, je préviens. Donc voilà les potos, donc sur ce, moi je vous laisse. Super content de la soirée, hein. Franchement, super content de la soirée. Victoire du PSG à l'arraché face à Lyon. Superbe match. Enfin, c'est pas un match grandiose, mais c'est un bon match. Pour faire un bon match, il faut 2 équipes. Ce soir, on avait 2 équipes. Donc, victoire de mon club, tout simplement. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Et puis, on se retrouve tout simplement pour d'autres vidéos. On reviendra demain hein, sur le match, tout simplement. Et partagez, likez, mettez des pouces et commentaires. Et allez, Paris!